le pouvoir matériel. Le pouvoir de l'argent. Combien sont-ils, ces innombrables naïfs qui pensent devenir riches afin de maîtriser leur vie et même la vie. L'argent est parfois nécessaire, mais l'argent n'est pas la vie. Être riche ne vous soustraira jamais du registre de la mort. Il est des personnes qui sont prêtes à pratiquer les pires magies, les pires envoûtements, afin de devenir riche et de jouir des bienfaits que procure l'opulence. Mais écoutez, vous entendez cette cloche qui sonne? C'est le glas, la cloche des morts. La mort n'oublie personne. Ô homme riche, toi qui t'es enrichi, toi qui as des maisons, des voitures, des palais, toi qui collectionnes les choses de la terre, tu sais très bien, au fond de toi, qu'à l'heure de ta mort, tu devras repartir sans rien, nu comme un ver que l'on enterre dans la terre. Ver de terre, tu redeviens. Et ce n'est pas ta richesse qui te sauvera de ce destin funeste. Il est des gens qui pensent passer par la magie afin de s'enrichir. Mais vous savez, la magie vous donnera de l'argent, c'est vrai, mais pour toute chose, il y a un prix à payer, surtout en magie. Et parfois, le prix est bien plus important que ce qu'il vous procure. Écoutez cette histoire. Elle vous montrera que parfois, vivre humblement et longtemps est préférable à une opulence extrême qui ne sera que momentanée. Quartier de Bonosor à Bangos. Le quartier de Bonosor est un quartier populaire, triste et lugubre, qui se trouve derrière le grand cimetière de Brimborion. Wano est un homme qui était commerçant et qui a été ruiné. Wano se réveille dans sa maison. Sa maison dont la toiture est percée et laisse passer des gouttes d'eau. Wano est triste, car Wano était un homme riche, devenu pauvre à la suite d'une faillite. Wano se réveille et il entend les gouttes d'eau qui dégouttent doucement de son plafond et qui tombent dans des cuvettes qu'il a mis autour de son lit, à même le sol. Wano n'a plus assez d'argent pour réparer sa toiture. Comment faire pour avoir de l'argent toute la nuit dans ses rêves? Cette question revenait. Et le voici qui bâille, qui se réveille. Encore une journée de vie triste. Je dois penser à mon malheur. Ah, de l'argent, j'en aurais bien besoin. Voici la toiture qui laisse passer l'eau. Mais mon ami Komi, il est très riche. Je vais aller lui emprunter de l'argent, oui. Je vais voir Komi. Ah, j'y vais. Je vais le voir. Oh, mais il pleut dehors. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, quel temps!
Cette saison des pluies, vraiment. Si je veux aller chez Chromie, il me faut un taxi, mais je... Taxi! Taxi! Hé, taxi! Ouais, je viens. Taxi! Taxi! Je vais à Gorgorian. Quartier de Gorgorian. Bon, montez, allez. Vite. Gorgorian alors, hein? Oui. Bon, on y va. Ah, le taxi m'a laissé. Voici la villa de Chromie. Oh, il pleut. Heureusement qu'il a rentré les chiens. Chromie! Chromie, oh! Mais viens m'ouvrir. Chromie! Chromie! Chromie, oh! Oh! C'est quoi? Il pleut, là! Hé, je me mouille, Chromie! Chromie! Ah, il ouvre. Oh, Wano. Mais entre, t'en prie, Wano. Viens. Viens, entre. Ben dis donc, tu viens me voir sous la pluie? Et je t'en prie, suis-moi. Chromie, j'ai des problèmes. Je vois que tes problèmes ne s'arrangent pas, hein. Viens d'abord boire avec moi, tu dois avoir froid, hein. Un bon cognac te fera du bien. Je ne suis pas venu pour boire. J'ai besoin de fric, et toi tu es riche. Oh oui, riche, c'est vrai. Mais tu faisais le même métier que moi, tu étais grand commerçant. Comment se fait-il que toi, tu sois devenu pauvre? Tu le sais très bien, Chromie. Il y a eu cette faillite que je n'avais pas prévue. J'ai fait une mauvaise affaire. Oh, les affaires, mais assieds-toi, nous allons boire. Tiens, cet excellent bourbon, regarde. Je ne suis pas venu boire, Chromie. Tu pourrais me prêter. Mais oui, je vais te prêter de l'argent. Bois d'abord, tiens. Je te sers. Moi aussi. Là, trinquons, trinquons. D'accord, trinquons. Buvons. Alors, Chromie, tu as besoin d'argent? Oui, tu pourrais m'avancer de 200 000 bangos? Tiens, 200 000 bangos, ce n'est rien pour moi. Écoute, il y a un proverbe qui dit « Quand un de tes amis veut du poisson, il est mieux de lui apprendre à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Je peux t'apprendre à être riche. » Mais j'ai été riche. Non, être riche. Une richesse qui ne varie jamais. Que tes affaires soient bonnes, que tes affaires soient mauvaises, tu dois toujours être riche. Comment crois-tu que moi, je n'ai pas été frappé par la crise économique comme les autres commerçants? Parce que tu es un homme d'affaires brillant. Tu parles. Je suis même nul. Je ne m'occupe même pas des comptes. Tous mes employés me détournent l'argent, mais j'ai toujours de l'argent. Comment tu expliques ça? Mais enfin, que veux-tu dire, Chromie? Wano. La magie, Wano. La magie. L'origine de mon argent, c'est la magie. Je pourrais te faire rencontrer un grand sorcier, Fifion Ribana. C'est lui qui m'a rendu riche. Mais il ne travaille pas pour rien, il faut le payer. Je peux pas le payer, je n'ai pas de fric. Non, tu ne le payes pas avec de l'argent, avec autre chose. Est-ce que tu acceptes que je téléphone à Fifion Ribana et qu'il vienne ici maintenant pour régler ton problème? Enfin, Chromie, écoute, au point où j'en suis. Et puis s'il demande de l'argent, tu payeras pour moi. Non, non, non. Dans cette magie-là, c'est toi qui dois tout donner. Tu as bien réfléchi? Tu veux travailler avec le Riban? D'accord. Bon. Très bien. Alors, je téléphone au Riban. Je l'appelle. Ne t'en fais pas, je connais bien son numéro. Voilà, hein. Ça sonne, il va répondre.
Ça sonne chez lui là-bas, oui. Bleur. Allô? Ah. Allô? 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 Ouais! Quel appareil là? Monsieur Fifion Ribana? C'est Fifion! C'est qui l'appelle là? C'est qui là, la ligne là? Téléphone là? Appelle-moi! C'est monsieur Comi, le grand commerçant. Fifion Ribana, j'aurais besoin de vous voir maintenant. Tu as vu la pluie dehors là? Tu vas me voir là maintenant, mais moi, si je sors dehors là, je vais me mouiller. Tu peux envoyer voiture pour toi chercher moi. Bon, très bien, sorcier Fifion. Je vous envoie mon chauffeur. Il vient vous chercher devant le cimetière. Vous habitez derrière le cimetière. Vous venez me chercher devant chez moi, pas devant le cimetière. Devant la maison là, tu envoies le chauffeur. Hein? Bon, très bien. L'affaire que tu me déranges là, il y a l'argent. Oui, il y a de l'argent. Bon, alors j'attends le chauffeur pour toi. Merci, sorcier. Au revoir, sorcier. C'est fait. Je vais dire à mon chauffeur Mathieu d'aller chercher le Riban. Mathieu! Mathieu! Patron? Mathieu, tu vas au cimetière, va chercher le sorcier Fifion. Tu l'amènes ici. Il t'attend. Très bien, patron. C'est bon, Mathieu va chercher le sorcier. Franchement, Comi, est-ce que tu penses que c'est bien de travailler avec Fifion Ribana? Tu me demandes si c'est bien, mais regarde-moi et regarde-toi. Regarde ma maison. J'ai 8 voitures, j'ai de l'argent, mon commerce marche très bien. Tout ça grâce à la magie de Fifion Ribana. Et maintenant, pour t'aider, je veux qu'il te fasse la même chose et tu n'es pas content. J'ai un peu peur de ce sorcier. Tout le monde a peur de Fifion, mais Fifion, c'est un homme bien, regarde ma réussite. D'ailleurs, j'entends la voiture de mon chauffeur qui arrive. Ah, les voilà. Ils entrent. Là. Ils entrent dans le jardin. De toute façon, Wano, il est trop tard. Ouvrez! C'est moi, Bonsoir, Fifion. Bonsoir, sorcier. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors, le problème là que tu voulais m'exposer, c'est quoi? Sorcier Fifion, tu es très puissant en ce qui concerne la magie d'enrichissement. Voici un ami. Il s'appelle Wano. Il était commerçant comme moi et maintenant il est ruiné. Je voudrais, grand sorcier, que tu le fasses redevenir riche de la même manière que tu as fait pour moi. Avec la magie d'argent. La magie d'argent, tu sais qu'il y a deux chemins. Le chemin sûr et rapide et l'autre chemin. Maintenant, c'est à ton ami de répondre, pas toi. Toi là, tu t'appelles Wano. Oui, sorcier, je m'appelle Wano. Wano, tu sais que pour avoir quelque chose, il faut donner autre chose. Toi, tu es commerçant. Quand tu donnes les marchandises au client, le client te donne quoi? Le client me donne de l'argent. Donc, tu lui donnes quelque chose contre autre chose. Maintenant, voilà. Tu voudrais que je te donne la richesse. Oui, sorcier. Mais seulement, pour que je te donne la richesse, là. Sorcier, je voudrais te dire que je suis ruiné et s'il faut payer beaucoup... Mais non! Attends d'abord que je finisse. Donc, l'homme, là. Toi, là. Wano. Tu veux la richesse. Je viens de t'expliquer qu'on ne donne rien pour rien. Je ne te demande pas l'argent. En sorcellerie, on dit l'argent c'est du sang et le sang c'est de l'argent. Peux-tu me donner quelqu'un de ta famille? Quoi, sorcier? Que je te donne un des membres de ma famille?
Mais te donner comment? C'est très simple. Tu me donnes son nom. Tu me dis qui il est. Et il meurt. Sorcier, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Bon, attends d'abord. Ça va être moins fort. Bon, peux-tu me donner le nom d'un ennemi que tu voudrais voir mourir? Mais non, mais même, écoute, j'ai des gens qui ne m'aiment pas et qui m'ont même ruiné, mais je ne peux pas faire une chose comme ça. Pour que tu aies la richesse, il faut le sang. Le sang qui marche le mieux, c'est le sang des gens que tu aimes beaucoup. Si tu me donnes la personne que tu aimes le plus, ton petit bébé, ou alors ta femme, ou alors ton père, ou alors là, vraiment, la richesse, ton boug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 
Tu peux même mourir. Je ne l'aiderai pas. Je suis désolé, Wano. Tu as voulu la seconde méthode. C'était plus facile de donner le sang. Tu donnais le sang de ton frère ou le sang de n'importe qui. Pourquoi tu veux prendre les méthodes difficiles? Toi, Wano, comment as-tu pu donner ta mère? Tu es le seul à le savoir et ne le répète pas, car sinon je devrais te tuer. C'est la loi des sorciers. Bon, d'accord, je ne le répéterai pas. Et d'ailleurs, tu es venu avec nous maintenant, hein. On a parlé devant toi. Si tu dis un seul mot sur ce qui s'est passé ici, on va te faire mourir avec grande souffrance. Bon, très bien, sorcier. Maintenant, va capturer le coq et ramène le coq chez moi. Allez, je dois partir. J'ai déjà même trop parlé. Au revoir, sorcier. Il est parti. Wano, j'espère que tu as compris. Tout ce que le sorcier a dit, tu dois le faire. Mais enfin, on l'a convoqué pour qu'il parle, c'est tout. Il a parlé devant toi. Tu sais des choses que tu ne devais pas savoir. Tu sais que j'ai donné ma mère afin de devenir un grand commerçant. Tu sais beaucoup de choses. C'était plus facile pour toi de prendre la première méthode. Regarde comme je suis riche. Non, tu as voulu faire le monsieur difficile. Mais la deuxième méthode, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec le coq? Il t'a parlé de risque. La deuxième méthode, je ne la connais pas, puisque moi, j'ai pris la méthode la plus simple. Maintenant, débrouille-toi. Les esprits sont venus. Ils ont cassé toutes les ampoules de la salle. Ils ont renversé les meubles à cause de toi. Débrouille-toi avec eux. Apporte-lui son coq. Va-t'en! Va, sors et ne te retourne pas, ne me regarde pas, ne me parle pas! Et voici Wano qui s'en va tristement le long de la route. Il marche alors que des voitures passent devant lui. Wano, sans argent. Il se rend compte qu'il passe devant une petite concession, une petite propriété, sise au bord de la route, et il voit, derrière la maison, un grand poulailler. Mais il y a un poulailler derrière cette maison. Je ne vois personne. Le propriétaire n'est sûrement pas là. Je vais essayer de me rapprocher et d'aller voler un coq. Ça m'a l'air facile. Il suffit que je vole un coq. Je vois. Ils sont là-bas. Je les vois déjà. Je vais me rapprocher encore. Bon, personne ne me voit. Je vais attraper ce gros coq-là. Maintenant. Viens ici, coq. Allez, allez. Ici, ici. Allez. J'ai le coq. J'ai le coq. Là, je l'ai, je l'ai. Mais j'entends quelque chose. Des gens. Voleur, et... voleur! Colbert, qu'est-ce qu'il y a? Un voleur, patron, un voleur! Un babouané d'un voleur! Un ganamar, un voleur! Un babouané d'un voleur! Un diable! Il prend un coq! Il prend un coq! Poursuivez-le! On le poursuit! Allez, poursuivez-le! Moada, un moada! Envoyez les chiens! Un moada, un moada! Un moada, à Caroline! Courez, courez! Il est là, il est là! Il est là, il est là! Andai, andai, andai! Go là-bas, je vais tirer! Go, madame! J'ai un calibre 12, je vais tirer! Go, madame! Un gomada, ouais! Un gomada! J'ai réussi! J'ai le coq! J'ai réussi! Surtout, surtout, pas s'arrêter de courir! J'ai le coq! J'ai le coq! Encore courir! Bientôt je pourrai m'arrêter! J'ai le coq! Je peux m'arrêter. Ce gros coq bouge trop. Oh. Mais calme-toi, le coq là. Ah, calme-toi. C'est quoi? Calme-toi, coq. Oh. Voilà. Je l'attache bien. Tu ne bougeras plus. Bon,
Maintenant, je dois apporter le coq chez le sorcier Fifion Ribana. J'ai réussi. J'ai le coq. J'ai le coq. J'ai le coq. Il est déjà fort tard quand Wano arrive en vue de la case du sorcier Fifion Ribana. Une vieille case branlante et brimbalante qui se trouve derrière le grand cimetière de Brimborion. Wano a réussi à voler un gros coq noir. Et le voici qui vient. Il s'avance. Il passe devant le cimetière. Et à la vue des tombes qui sont là, dressées sous la lumière de la lune, semblables à des spectres dans la brume, il ne peut réprimer certains frissons. Comment donc un homme peut vivre derrière le cimetière? Wano a peur. C'est la première fois qu'il a affaire au sorcier Fifion Ribana. Mais il est trop tard. Wano est allé trop loin. Le voici qui arrive devant la maison de Fifion. Sorcier Fifion! Sorcier Fifion, ouvrez-moi, j'ai le coq. Sorcier! Sorcier! Mais est-il même là? Il ouvre. Entre! Entre, Wano! Entre! Je vous avais dit, le second chemin, il y a un risque. Au lieu de me donner le sang, vous voulez passer par le coq. Celui qui décide, c'est lui. Le petit coq que tu as là, c'est lui qui va décider. Mais sorcier, sorcier, c'est incroyable. Je ne peux pas remettre ma destinée entre les mains, ou plutôt, entre le bec d'un coq. Tu as choisi ton destin. C'est Ponvier qui va d'abord passer. Ponvier, tu es prêt? Un mois, sorcier, j'ai déjà tellement les problèmes que j'accepte de toute façon risque là. Parce que si jamais coq là mange beaucoup les grains, je serai riche longtemps, longtemps, longtemps. Bon, je vais appeler les esprits. Je vais faire une petite cérémonie. Restez là bien tranquille. J'appelle les esprits. Esprit des ténèbres. Esprit mauvais qui travaillez pour moi, manifestez-vous. Vous allez venir bénir les grains de maïs que je vais jeter dans l'enclos. Esprit mauvais, répondez-moi. Répondez-moi. Êtes-vous là? Esprit mauvais. Esprit de la magie noire. Esprit des morts que j'ai tués, vous qui me servez, répondez, vous êtes là, vous êtes là, la cérémonie peut commencer. Oh, no.
Esprit de la nuit, voici tes grains de maïs. Wow, mauvais esprit, les grains de maïs vont vous nourrir. Les personnes qui sont là ont un coq. Leur coq va manger les grains de maïs. Et c'est vous les esprits qui allez leur retirer des années de vie pour les rendre riches. S'il leur reste 30 ans à vivre et que vous leur volez 20 ans, ils vont vivre 10 ans dans une grande richesse. Mais vous volez, vous êtes mauvais. Vous êtes les esprits qui volent les années de vie pour donner de l'argent parce qu'ils n'ont pas voulu donner du sang. Oliongo, eh, Oliongo, eh, Oliongo, eh, Oliongo. Allez, l'épreuve du coq va commencer. Bon vieux, tu es le premier. Je suis prêt, grand sorcier. J'ai mon coq là qui est prêt. Le voilà. Tiens-le bien. Je t'explique, bon vieux. Tu vois cet enclos derrière la maison? J'y ai jeté les grains de maïs magiques qui ont été bénis par les mauvais esprits. Ton coq, tu vas le jeter dans l'enclos. Il doit manger les grains. Et le nombre de grains qu'il va manger, c'est le nombre d'années de ta vie où tu seras très riche. Es-tu d'accord? Je suis d'accord, sorcier. Jette le coq. Allez, jette-le. Bon, je jette mon coq dans l'enclos. Mais mange, coq, mange. On dirait qu'il ne veut pas manger. Mais mange, coq. Il ressort. Le coq n'a pas mangé les grains, il est ressorti. Tu as droit à un deuxième essai. Bon, très bien. Deuxième essai. Jette le coq. Bon, je le jette dans l'enclos. Allez, mange, mange. Mais il ne mange pas. Il ressort. Bon vieux, je t'avais parlé des risques. Voici le risque, et le risque est grand. C'est la troisième fois que tu vas jeter le coq dans l'enclos. Si le coq n'a pas mangé la première fois et la deuxième fois, si tu le jettes la troisième fois et qu'il ne mange pas, tu n'auras aucune année de vie de richesse et tu vas mourir sur place. Mourir sur place? Oui, tu auras une crise cardiaque ici. Tu vas tomber sur le sol. Non, sorcier, je... Il fallait m'avertir des risques. Je... Sorcier, je n'ai pas envie de jeter le coq, si c'est ça. Si tu ne jettes pas le coq, tu meurs aussi. Vous, là, vous voulez traiter avec les mauvais esprits du sorcier Fifion. Mes esprits tuent. Tu as compris. Tu as encore droit à une chance. Une seule chance. Bon, je vais... D'accord, d'accord, sorcier. Je jette le coq encore une fois. Cette fois, j'espère qu'il va manger. Je l'espère pour toi. Je l'espère pour toi. Allez. Allez maintenant. Vas-y. Jette le coq. Jette-le. Allez, mange, coq, je t'en prie. Mange. Mange, coq. Mange. Il ressort. Il n'a pas mangé. Sorcier, je vais pas mourir. Je vais pas mourir. C'est pas vrai, je vais pas mourir, sorcier. Je vais pas mourir, sorcier. Bon vieux, tu as voulu prendre la méthode qui a le risque. Je t'avais dit, méfiez-vous. 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 Il fallait te méfier. Ton coq n'a rien mangé. Tu n'as aucune année de vie. Aucune année de vie riche, donc aucune année de vie, puisque tu as fait le rituel. La mort va venir te chercher ici même. Tu n'as pas mal au cœur? Non, sorcier, je crois que je vais bien. Regarde! Voilà! Voilà!
Voilà, Wano. Tu voulais connaître le risque. Tu as accepté le risque. C'est ça, le risque. Si ton coq ne mange rien, quand tu l'as lancé 3 fois dans l'enclos, tu meurs sur place. Mais si ton coq mange beaucoup de grains, tu auras beaucoup d'années de vie. Très, très riche. Sorcier Fifion, c'est-à-dire... Sorcier Fifion, ayant bien réfléchi, je crois qu'il n'est pas sage pour moi de participer à une telle épreuve. Je voudrais me retirer. Oh ! Tu voudrais te retirer alors que j'ai déjà appelé les esprits ? Mais c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Si tu essayes de fuir, si tu essayes de te retirer, tu finiras comme cet homme. Tu auras une crise cardiaque et tu mourras. Alors tente ta chance. Essaie quand même de gagner quelque chose. Je vais essayer, sorcier. Approche de l'enclos. Allez. Tu vas lancer ton coq. Lance ton coq. Bon, très bien, sorcier. Je lance mon coq dans l'enclos. Allez, coq, mange les grains de maïs, mange. Allez, mange. Petit, 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 mange, mange. Il ressort, il n'a rien mangé. Il ressort, il n'a rien mangé. Tu as encore droit à 2 essais. Allez, lance ton coq. Bon, je lance mon coq pour la 2e fois. Allez, mange, mange, mange. Mange! Oh non, mon Dieu! Il est ressorti, il n'a rien mangé! Il est ressorti et il n'a rien mangé! Je suis désolé pour toi! Allez, sois brave! 3e essai! Lance ton coq dans l'enclos! Sorcier! Ne pas mourir! Ne pas mourir! Ne pas mourir! Ne pas mourir! Lance le coq! Allez, dépêche-toi! Sinon tu vas mourir! Les esprits vont te tuer! Je lance le coq. Regarde! Le sorcier! Il s'est arrêté. Il picore. Il avale les grains. 1 grain! Oui! 2 grains! Continue, petit coq! Continue! Il a mangé 2 grains! Ah, il sort! Qu'est-ce que ça veut dire, sorcier? Toi, au moins, tu ne vas pas mourir vite. Pendant 2 ans, tu vas être très riche. Et ensuite, tu vas mourir d'une maladie ou d'un accident. En tout cas, tu vas mourir rapidement. Mais, sorcier, je voulais être riche, mais longtemps, je voulais quand même vivre. Et tu te plains? Je vais te gifler, espèce d'imbécile. Aïe, vous m'avez giflé. Idiot. Aïe, sorcier. C'est toi qui as voulu la méthode facile, la méthode rapide. Si tu m'avais donné du sang, si tu m'avais donné du sang, tu n'aurais pas eu à mettre ton destin entre les pattes d'un coq. Maintenant, on ne peut plus rien enlever. Il te reste 2 ans à vivre. Tu vas vivre très très riche, mais dans 2 ans, tu vas mourir. Allez, dépêche-toi, va-t'en maintenant. Sorcier, on ne peut rien faire d'autre. Va-t'en. Sorcier, va-t'en, je t'ouvre la porte. Allez, sors, sors, sors. Et n'oublie pas, quand tu seras riche, reviens me payer. Parce que sinon, je peux faire en sorte que tu meurs tout de suite. Allez, va. Sors. No. Wano sait qu'il va être très riche pendant 2 ans, mais qu'au bout des 2 années, il allait rejoindre le territoire des ombres. Pendant 2 ans, Wano redevient un très grand homme d'affaires. Et il profite de la vie, car il sait qu'il ne va pas vivre longtemps. Il est là, faisant ses affaires, sortant la nuit dans les dancings, les boîtes de nuit et les restaurants. À la fin des 2 années, une nuit, alors que Wano sort d'une célèbre boîte de nuit, le destin mortel qui est le sien va s'accomplir. Ah.
Wano, il y a de l'ambiance ce soir. Ouais. Ah, je... Je crois que je vais bientôt rentrer. Hé, Wano! Wano, merci de nous avoir invités, hein, c'est super. Oui, je crois que je vais bientôt rentrer, les gars. Bon, ben viens, on te raccompagne à la porte. Nous, on reste, hein. Ah ouais, il y a de l'ambiance. On te raccompagne, viens, allez. Tu t'en vas déjà, ben, t'es bizarre. Et voilà, je me retrouve seul. Dans le parking, devant la boîte. Bon, je vais aller chercher ma voiture. Oh, elle est garée en bordure de route. Bah, où sont les clés? Je dois avoir les clés, là. Oh, j'ai bien bu. Ça valait le coup, quand même, de s'enrichir. Même si je savais que ça allait pas durer longtemps, ça valait le coup. Et près de ma voiture, y a des phares là-bas, loin, mais... Bon sang, on dirait que ça vient vers moi, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Bah, il a l'air de foncer, ce mec. Hey, les mecs! Les mecs, venez voir! Il est mort! Il est mort! Qui est mort? Il est mort! Wano est mort! Une voiture l'a renversé, il est mort! Wano est mort! Il est mort! Triste fin pour Wano. Triste fin, mais ô combien prévisible. Wano avait commis l'erreur fatale de croire que la magie pouvait le rendre riche. Il avait passé un pacte à l'aide d'un coq afin d'obtenir des années de vie dans l'opulence. Mais le coq du sorcier Fifion avait tout simplement picoré 2 grains de maïs et Wano n'avait pu vivre que 2 ans dans l'abondance. Avec le temps qui passait, il avait même oublié qu'au bout de 2 années, sa mort était inéluctable. Et voilà que là, à la sortie de cette boîte de nuit, une voiture folle venait de le réduire à l'état d'un gros tas de viande sanguinolente qui roule sur la chaussée comme un pantin désarticulé. Wano n'est plus. Le milliardaire Wano n'est plus.